Slowly kisses passing by the river. I've been missing. Hola à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous montrer mes petits secrets skincare routine by night, donc restez avec moi. On commence avec le soin huile extraordinaire Amla de chez L'Oréal Paris. C'est un soin crème définissant boucle sublime. C'est un soin que j'utilise sur mes cheveux humides. J'en mets sur toute la longueur de mes cheveux. Ça a un rendu vraiment rebondi et ça n'alourdit pas en plus les cheveux. Et ça a une protection contre la casse et l'humidité. Ça laisse un parfum délicat et parfumé sur tous mes cheveux pendant plusieurs heures. Alors on commence avec la Roche Posay que j'avais utilisée sous la douche. C'est un gel moussant purifiant qui est surtout fait pour la peau grasse et acnéique. J'utilise quotidiennement et vraiment ça rend ma peau toute douce. Alors avec ça, on commence avec un gel exfoliant de chez L'Oréal Paris. C'est avec de l'argile pure rouge et de l'algue rouge. Ça nettoie et désincruste les pores. Donc j'utilise une fois par semaine pour ne pas irriter ma peau. Surtout, je prends soin de faire des petits massages délicatement sur mon visage, des petits cercles. Voilà, je prends soin d'en mettre partout, surtout sur la zone T, les joues et le menton. Vraiment, c'est un soin qui sent très bon. Et ensuite, j'utilise ma petite éponge en forme de cœur que j'adore. J'utilise à chaque fois pour me nettoyer. Je l'humidifie avec un petit peu d'eau. Et ensuite, je commence à m'éponger le visage. Doucement, délicatement, bien sûr, pour pas irriter la peau du visage. Et pour pas qu'elle devienne toute rouge. Je la rince et je recommence encore. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien nettoyé pour que je puisse ensuite mettre le reste des produits sur mon visage. Alors ensuite, on commence avec le masque de chez Grain Golden, c'est une marque londonienne à base de pamplemousse rose. C'est un masque matifiant. Je l'utilise souvent, 2 à 3 fois par semaine. Ça laisse un parfum magnifique de pamplemousse. Hein. Quand on applique le masque, il devient mat. On voit même plus la couleur, c'est transparent. Je le laisse reposer 10 minutes. Ensuite, je reprends ma petite éponge en forme de cœur et je nettoie, je passe sur mon visage. Et bien sûr, j'y vais doucement et je tire toujours vers le haut de la peau de mon visage pour éviter les rides. J'utilise le tonifiant de chez Lancôme, tonique douceur. C'est une lotion hydratante. Elle sent très bon et elle a cette petite teinte bleue adorable. Sur mon visage, je tamponne doucement, délicatement, pour venir réhydrater un peu le tout.
Ensuite, j'utilise mon petit baume à lèvres fait main par une petite entreprise qu'il y a au Maroc, dont je vous l'écrirai dans la description. Donc, j'optimise les produits bio et naturels le plus possible. J'en applique le soir et le matin sur mes lèvres. Alors ensuite, j'utilise la crème de chez Aven Eau Thermale. C'est une crème de jour, mais j'utilise aussi la nuit. Je la mets sous mes yeux. Bien prendre soin de tirer la peau vers l'extérieur, comme ça, comme je vous ai dit, je peux éviter d'avoir des rides. Et je tamponne, bien sûr, à la fin avec le bout de mes doigts pour bien faire rentrer le produit et pour me faire un petit massage. Et bien sûr, ça évitera d'avoir des cernes et d'éviter le petit gonflement sous les yeux. Alors ensuite, j'utilise la crème prodigieuse de chez Nuxe. C'est une crème nuit hydratante, défatigante. J'adore, ça a un parfum magnifique et une texture vraiment agréable. Sur ma zone T, le nez, les joues, le menton et le cou. Je fais deux petits massages vers l'extérieur pour bien tirer la peau et pour éviter les petites rides avec le temps. Ensuite, j'utilise ma petite huile, mon petit secret beauté, c'est de l'huile d'argan avec de la rose dedans. J'ai acheté en Médina, au Maroc. Rien de mieux que les produits naturels. Alors j'en mets sur le creux de ma main et je viens délicatement en mettre. Je tamponne tout mon visage avec et mon cou, voilà, je mets ça doucement avec ma main pour éviter de m'en mettre partout entre les doigts et pour bien ensuite l'étaler sur tout mon visage. Ça va venir vraiment hydrater la peau et ça laisse un parfum vraiment délicat et la peau sera brillante le lendemain, vous verrez. C'est vraiment, ça fait son effet, c'est magnifique. Alors j'utilise Hydro Boost de chez Neutrogena. C'est un gel crème désaltérant corps. Je l'utilise sur mes mains, mes bras, voilà, en sortant de la douche, mes jambes aussi. Et voilà. Donc ça vraiment, ça, cette crème, c'est une hydratation avancée à l'acide hyaluronique. C'est vraiment une crème magnifique et elle laisse un parfum vraiment délicat. Ça laisse la peau douce et agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo, à laisser un petit commentaire, j'hésiterai pas à y répondre, et un petit j'aime, bien sûr, si tu as aimé la vidéo. Voilà, maintenant tu connais mes petits secrets Skincare Routine by Night. Prends soin de toi et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye !